Mesdames et messieurs la famille, n'ap souwete ou bienvenue sur plateforme Pola. Bienvenue sur plateforme Actualité à Channel d'information Gwo Rezo TV. Yon plateforme qui gen pou mission al chèche information quel que soit côté lié en dan pays a pou pote ba ou en dan salon la kay ou même. Ou même qui se haïtien k'ap viv en Haïti ko lòt bòd lò ki ta remen toujours été informé ou gen intérêt pou abonner ensemble avec Channel sa sou vidéo sa même. Oui, abonné. Et lò fin abonné, pas oublier tout peser petit cloche notification, retirer sous personnalisé, mettre le sous tout. Yon façon pour capable être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, c'est toujours un immense plaisir pour nous entrer la carrière pour capable porter ba ou toute dernière information qui a dominé actualité pays d'Haïti tant sur le plan local et sur le plan international. Sans plus tarder, n'a rentré directement en dans développement information yo pour charger pas campé. Rallez-ti chez vous. Montez volume, en attendant de audio ça ensemble pour plus de détails. Il y a un cabinet d'instruction qui est déplacé, qui est remis sur les lieux dans la résidence officielle pour le ministre là, et M. Ariel Henry, et comme témoin, car il y a attendu M. Ariel Henry à titre de témoin dans le cadre du dossier et Jovenel Moïse. Là. Donc, et le point du droit, non c'est ça, qui ça la loi dit, ou bien qui ça. Et qui compréhension nous-mêmes juristes et hommes de loi dans le dossier ça, les cabinets d'instruction déplacés l'autre des premiers ministres. Ok. Bon, voilà. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Donc si il a fait pour une, il faut faire pour l'autre et pour tout. En plus. Le code de justice criminelle pour voir que les juges ont déplacé, il faut qu'ils renient une ordonnance. Okay. Pour déplacer et il faut accompagner impérativement d'un paquetier. Le commissaire gouvernement. Et d'après ça va prendre, je suis allé avec greffier le serment. Non accompagné de paquetier. Oh. Ça, c'est personnel, il est arrivé par la justice. Si vous m'en avez parlé à M. George, c'est un bagage dans mes tailles, un petit arrangement quelconque, et ça, vous avez dit? C'est ça, lui-même. Et ça, c'est. Et prend plus. Ça, c'est dans la loi, nul et de nullité radicale. N'ayez tout gâté pour ces dieux-là. Je vais faire des instructions parce que je montre de bas les amis qui ont fait ça. Mais George, tu as un gros bagage, on dit là, mais George. Tout le monde dit gros bagage. Mes amis, comme si juge Jean Wester et juge Walter Wester déplacé à une visite à Premier ministre là, c'est comme si vous avez carré ça, une visite de courtoisie, mais George. Non, il n'y a que tout le monde, j'ai mangé mon petit goût. Le premier ministre n'a rien à mettre goût. Oh, premier ministre n'a mettre goût, Clapil. Merci, M. George. Du Sierre, du Nord, de mener enquête, approfondir enquête sur dossier, parce que il y a des problèmes qui sont posés. Dossier ça, dossier ZAM, dossier qui gagne en question transnationale, parce que depuis que ZAM, munitions, nous avons 100 ZAM à faire dans le pays. Et c'est normal à ce que la police, les agents douaniers, c'est normal pour procéder à l'arrestation des mounes qui t'a gagné implication présumée dans quatre dossiers ZAM qui a porté dans le pays. Je vais dire matin, au niveau de la diaspora, il a demandé pour que les États-Unis d'Amérique continuent à nous coup de main ça. Gagné des mounes qui ont fait conteneur et qui profitent, n'est-ce pas vrai? Mettez âmes, mettez matériel, munitions en boîte. Il a demandé à ce que
la section départementale de la police judiciaire dans le Nord approfondit enquête sur le cas Dominique Fanor, qui te recevra un appel pour t'aller récupérer une boîte de voyer pour lui. Et arrivé sur les lieux, Mounio t'a arrêté. Hein? Drôle de coïncidence. Il va le libérer après. Sous base que munitions Axamio, c'est à la propriété Pasteur Dominique. Nous pas parler maintenant pour nous dédouaner ni X, ni Z, ni Y. Mais nous demandons pour la police nationale, par le biais de la DCPJ, de la section centrale, alors de la section départementale SDPJ, d'approfondir son enquête sur le dossier. Parce que même les dossiers à Guétan, mais la justice, il y a des gros problèmes qui posent dans le dossier ça. Maman Nancy, ok? Et moun qui fait conteneur Miami, c'est madame Nancy Julmis. Ok? Nancy Julmis. Moun qui recevoir, moun qui responsable pour recevoir conteneur. Maman Nancy Julmis, non? Madame Capi, à savoir ce que maman Nancy. Comprenez bien? Moun qui gagne pour recevoir conteneur pour en Haïti, madame Capi, à savoir maman Nancy. Qui lien qui gagne entre maman Nancy Pasteur Dominique Julmis? Alors, Pasteur Dominique, Nancy Julmis. Nous rappelons Nancy Julmis lui-même. Qui c'est lui-même qui habite fait conteneur. Vous voyez dans le Nord. Mounsa, quel lien il y a avec Pasteur Dominique? Pasteur Dominique, ça qui parle pas un peu flou, c'est que Pasteur Dominique, pas de connaître le rendez-vous pour te recevoir boîte. Mais comme de fait, son pasteur, qui a du travail dans la commune, dans le dossier, ça, il est au parle avec lui, l'aller. Mais t'as semblé, bagarre pas clair, dans la mesure où, problème qui pourrait le poser, c'est que vous allez libérer premier monde, il y a des Kembia qui devine recevoir Colia, à savoir madame Capi, qui c'est maman Nancy Julmis. Attention, hein? Madame Capi, qui t'a proche de voir conteneur, c'est maman, ancien député Goriviera. C'est très important pour nous comprendre. Avec Jacques Julmis. Et donc, dossier ça, son gros dossier qui mérite approfondi pour connaître exactement moun qui voyait matériel sa yo débarqué dans le pays, sur qui base yo débarqué, pour qui ça bon marché pressé courir libérer madame Capi, mare kou krab Pasteur Dominique. Nous t'as souhaité à ce que la section
de la police judiciaire du Nord approfondit l'enquête sous dossier ça. C'est très important. Peuple haïtien, pays d'Haïti, il y a un problème. Hier, Pierre Martin a fait allusion à la question justice là. Et il te dit que, et ça le dit à son bail qui est clair, correct, base tout ton pays pour développement pays, la justice, depuis justice là, a pris un coup, depuis justice là, pas allé dans le droit chemin, hein? Depuis justice là, boycotté justice là, en déblosaille, pays avant déblosaille. Et c'est le cas de le dire. Il y a des gens qui doivent aller en prison, qui n'ont pas eu. Il y a des gens qui sont en prison, qui t'aident dans la rue. Et ça fait, nous ne pouvons jamais dédouaner.